I think the big problem with climate change is our capacity to deny it, really, I have to say. I mean, we'd say that there aren't many climate change deniers, but there are. The way we exist at the moment isn't compatible with reducing the effects of climate change. We're still investing in fossil fuels and going about our lives as if there isn't climate change. There's a lot of talk about it. We see there's more and more scary statistics out there, and more scary things happening, like the huge temperatures in North America at the moment or last week. So, yeah, I just don't see that there's enough real will at high level government level to really do something about climate change right now, because we're right in the middle of it, and we need to do something right now. And the frustration is, I think we know what to do collectively as a species. Main focus is in practice is demonstrating ways in which we can reduce the consumption of resources, the reliance on fossil fuels, avoid the use of fossil fuels, and really reduce the amount of materials that we consume in the designing, the construction, the occupation and deconstruction of buildings. So that's why I'm fascinated by ideas around the circular economy, because in a circular economy, waste from one system is a resource for another. So for me, when we design buildings, we design them so they can use resources on the site or nearby. And the phrase I use is mine the Anthropocene. So rework the material that's already been mined, already been produced, to be sort of really radical, close down the conventional mines. And because the, mining and deforestation for resources is the biggest problem that we inflict on the planet, in my opinion. Well, the workshop's got an amazing collection of academics together who, it's been very exciting to be involved with the workshop because of the other people involved, the knowledge there across discipline as well. So we've got scientists and practitioners and academics in the world of design and urbanism and beyond, building physicists, etc. So for me, the workshop demonstrates the sort of cross practice collaboration required to pool resources. Like I said, we have the knowledge, but not just within our own practice. We need to be working collectively, and that's what the workshop's demonstrating. Okay, bye. Pour moi, le problème, il est double. Il relève à la fois d'un mouvement de l'univers et d'événements qui ne sont pas à notre portée, d'une part, parce que la Terre s'est déjà réchauffée, s'est refroidie, et ce sont des cycles naturels pour lesquels on ne peut pas grand-chose. Et il y a un deuxième élément qui est un impact de l'activité humaine qui aujourd'hui accentue le réchauffement climatique et qui en plus détruit l'environnement. Et qui là est, de mon point de vue, essentiellement lié à la quantité d'êtres humains sur la planète. Nous sommes une espèce, pour l'instant, qui compte de plus en plus d'individus et qui donc, comme toute espèce, a besoin pour sa vie et sa survie de consommer un certain nombre d'éléments de son environnement. Mais comme nous sommes très nombreux et que nous consommons beaucoup de ces éléments, nous devenons un problème pour l'équilibre général. C'est la démographie accompagnée de nos comportements. On peut optimiser le nombre d'individus humains sur la planète en s'organisant de sorte à peser moins lourd dans les équilibres écologiques. Ça fait appel à de l'intelligence, ça fait appel à une capacité d'organisation qu'aurait l'espèce. Si la planète décide qu'on peut être 5 milliards, mais pas plus, peut-être qu'on peut essayer d'être 6 ou 7 milliards, s'organisant bien. Par contre, sans doute qu'être 12 ou 13 milliards, qu'on s'organise bien ou pas, reste un problème de toute façon. L'urgence écologique, pour moi, elle se règle pour l'instant, avec les moyens que nous avons, à l'échelle des nations, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui le traiter à l'échelle universelle, elle est d'essayer de faire du mieux possible pour tester des organisations qui nous permettent de peser moins lourd sur le réchauffement climatique et sur l'impact écologique
de notre espèce. Alors, là-dessus, j'ai à la fois une malchance et une chance. Première, la malchance, c'est que je suis un opérateur. Étant des opérateurs, on fait partie de ceux qui font la ville et donc qui concrètement agissent dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, faire la ville parfaitement écologique et zéro carbone est encore un très grand fantasme et que concrètement, nous ne savons pas le faire. Donc, malchance, c'est d'être un opérateur qui donc participe activement et concrètement à ces difficultés que nous rencontrons. La chance, c'est que par contre, en étant un opérateur et étant confronté à la réalité et confronté à l'action, on a des moyens de commencer à essayer de voir comment on peut s'y prendre à notre échelle et à notre niveau pour faire en sorte de réduire les impacts de la construction, de la fabrication de la ville sur le réchauffement climatique et sur les équilibres écologiques. Alors, la solution, elle est éminemment collective. C'est personne dans son coin qui trouvera la solution et qui saura agir pour régler le problème. Ça veut dire que ce genre d'initiative qui consiste à partager de l'information sur le sujet pour préparer les esprits et essayer de s'organiser le mieux que nous pouvons pour essayer d'impacter le moins possible le réchauffement climatique et les équilibres écologiques, forcément, en soi, une action qui va dans le bon sens et qui permet de partager des expériences, qui permet de partager des idées, qui permet de laisser les uns les autres imaginer des organisations jusqu'à ce que, sans doute un jour, certains, s'en saisissant, trouvent des solutions et permettent, en les divulguant, d'accompagner le mouvement dans le bon sens. Il est donc évidemment essentiel de prendre des mesures plus tôt possible, donc maintenant, et si possible, des mesures qui tiennent compte aussi d'un événement majeur. Enfin, la transition écologique ne pourra être une réussite que si elle est accompagnée d'une certaine justice sociale. On n'est pas tous égaux face aux décisions qui peuvent être prises par les décideurs. On n'est pas tous égaux face aux lois. Il est donc essentiel de tenir compte de ce facteur aussi pour que les mesures tiennent compte finalement des différences que l'on peut observer au niveau de la société. Donc, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Il faut s'assurer aussi que les solutions qui soient proposées soient portées par le plus grand nombre, soit on a vu avec, en Suisse, par exemple, avec la loi sur le CO2, que quand la proposition n'était pas portée par le plus grand nombre, eh bien, il y avait un risque que la population la refuse. Il est donc essentiel qu'il y ait un soutien, une acceptabilité la plus forte possible au sein de la population pour que les mesures qui sont prises par les décideurs soient acceptées et soient acceptables. Alors d'abord, en tant que professionnel, les urbanistes ou ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire en général ont évidemment une grande responsabilité puisque nous prenons des décisions, nous donnons des orientations sur l'organisation du territoire et souvent, les décisions que nous prenons aujourd'hui déploient leurs effets plusieurs années après le moment où l'élaboration et la conception des plans sont envisagés. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Et il est important, alors certes, de venir avec des principes forts, des orientations fortes, mais de développer des outils qui offrent aussi une marge de manœuvre aux générations futures. Ça, c'est peut-être le premier enjeu. Le deuxième enjeu, à mon sens, il est quantitatif. On a baigné dans une société qui était nourri au quantitatif. Alors, évidemment, les enjeux financiers, les enjeux économiques, on est aussi dans un canton qui vit une crise du logement depuis plusieurs décennies. Seulement, peut-être que dans la pesée des intérêts que nous menons sur nos différentes planifications, nous devons revoir le poids que nous donnons au quantitatif, non seulement sur les aspects financiers et les aspects économiques ou sur les aspects fonciers, mais aussi sur les aspects liés à la quantité de logements que nos planifications doivent produire. Donc ici, l'enjeu en termes de transition écologique est de trouver peut-être une pesée des intérêts qui soit plus en phase avec les attentes actuelles de la population. On sent à Genève les récentes votations, puisqu'il y a eu 6 référendums sur 6 plans d'affectation récemment, et sur ces 6
plans d'affectation. 5 ont été refusés par la population. Il y a donc un message assez clair de la part de la population qui souhaite que l'on réinvente notre façon de planifier et d'organiser le territoire. Et là, peut-être qu'en lien avec cette dimension quantitative, nous devons repenser, revoir les pesées d'intérêt qui sont menées sur nos différentes planifications. Peut-être que certaines fois, nous devons challenger ces aspects quantitatifs et donner un petit peu plus d'importance à des aspects en lien avec la transition écologique, en lien avec les espaces ouverts, en lien avec des espaces verts qui répondent manifestement aux attentes de la population. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nos outils sont extrêmement rigides. Ce que j'attends de ce workshop, c'est de la créativité, c'est qu'on vienne bousculer un petit peu les idées reçues et puis que l'on s'affranchisse de ces couches de législation qui parfois brident la créativité.